Ça y est, on va commencer à s'intéresser aux fusées. Mais avant de faire notre fusée finale, on va faire des prototypes. Tout ce qui est fait ici n'est bien sûr pas à reproduire. Le premier prototype devra remplir deux missions. Être propulsable par le patator qu'on a fait, et devra éjecter un parachute pour freiner sa chute. J'ai créé un premier prototype qui rentre parfaitement dans le canon. Sa coiffe peut se retirer pour laisser sortir un parachute. Pour l'éjection, j'utilise une petite charge explosive avec un délai de 5 secondes. Le problème est qu'il faut absolument que la charge se mette à feu en même temps que le canon. Et pour ça, j'ai utilisé une goupille. J'utilise des allumettes qui prennent en sandwich la mèche de la charge. Autour de ça, j'ai mis un grattoir à allumettes relié à une ficelle attachée au fond du canon. Au moment de l'explosion, la ficelle va tirer sur les grattoirs qui vont frotter contre les allumettes. Les allumettes et la mèche vont s'allumer et mettre à feu la charge au bout de 5 secondes. Le parachute pourra alors s'éjecter. Bref, tout est en place pour notre troisième mission. J'y vais -3, étude du comportement du vol de l'obus et éjection du parachute.